Asseyez-vous confortablement et détendez-vous complètement. Prenez le temps de vous calmer et concentrez vos pensées en observant avec attention votre souffle. Lorsque votre esprit est calme et stabilisé dans le présent, engendrez une motivation positive pour faire la méditation. Par exemple, vous pouvez penser ⁇ Puisse cette méditation contribuer à apporter une paix plus grande et le bonheur à tous les êtres ?⁇ Puisse cette méditation être pour moi une cause qui me permette d'atteindre l'éveil, afin que je sois à même d'aider tous les êtres à se libérer de la souffrance et à obtenir également l'éveil. À présent, prenez conscience de votre corps. Pensez à ses nombreuses différentes parties bras jambes tête peau sang os nerfs et muscles examinez-les une par une explorez-les par vos sensations contemplez la nature de ces choses leur substance, leur texture, leur forme et leur taille. Soyez sensible au corps en activité, au mouvement qui se fait à chaque instant, l'inspiration et l'expiration de votre souffle, le battement de votre cœur, la circulation de votre sang et l'énergie de vos impulsions nerveuses. Soyez conscient de votre corps au niveau encore plus subtil de sa structure cellulaire, au fait qu'il est entièrement composé de cellules vivantes qui viennent à l'existence, se déplacent, se reproduisent, meurent et se désintègrent. À un niveau plus subtil encore, toutes les parties de votre corps sont faites de molécules, d'atomes et de particules subatomiques qui sont en mouvement constant. Essayez de vraiment ressentir ce changement qui prend place à chaque instant dans votre corps. Tournez à présent votre attention vers votre esprit. Il est lui aussi composé de nombreuses parties. Pensées, perceptions, sensations, souvenirs et images se suivant les unes les autres sans s'arrêter. Passez quelques minutes à simplement observer le flot en perpétuel changement des expériences dans votre esprit, comme quelqu'un qui regarde par la fenêtre passer les voitures et les piétons dans une rue animée. Ne vous accrochez à rien de ce que vous voyez dans votre esprit. Ne jugez pas et ne faites pas de remarques. Observez simplement et essayez de ressentir la nature impermanente et en perpétuel changement de votre esprit. Après avoir réfléchi sur l'impermanence de votre monde intérieur, votre propre corps et votre esprit, élargissez votre conscience vers le monde extérieur. Pensez à votre environnement immédiat, le coussin, le tapis ou le lit sur lequel vous êtes assis, le sol les murs, les fenêtres et le plafond de votre pièce, les meubles et autres objets qui s'y trouvent. Pensez que chacun d'eux, bien qu'en apparence solide et statique, est en réalité une masse de particules minuscules filantes à toute allure. Restez un moment dans cette expérience. Puis laissez votre conscience voyager plus loin, au-delà des murs de la pièce. Pensez à d'autres personnes. Leur corps et leur esprit changent aussi constamment. Ils ne restent pas les mêmes, ne serait-ce qu'un instant. Cela est vrai pour tous les êtres vivants, tels que les animaux, les oiseaux et les insectes. Pensez à tous les objets inanimés dans le monde et dans l'univers, les maisons, les immeubles, les routes, les voitures, les arbres, les montagnes, les océans et les rivières, la terre elle-même, le soleil la lune et les étoiles. Tout cela, étant composé d'atomes et d'autres particules minuscules, est constamment en changement, à chaque instant, à chaque millième de seconde. Rien ne reste à l'identique sans changer. Concentrez-vous sur cette expérience. Pendant la méditation, chaque fois que vous avez un sentiment clair et fort de la nature sans cesse changeante des choses, fixez-y fermement votre attention aussi longtemps que possible sans laisser votre esprit se distraire. Immergez votre esprit dans l'expérience. lorsque le sentiment s'évanouit ou que votre attention commence à s'égarer, analysez une nouvelle fois l'impermanence soit de votre corps ou de votre esprit, soit d'un autre objet. Concluez la méditation en pensant qu'il est peu réaliste et plutôt autodestructeur de s'accrocher aux choses comme si elles étaient permanentes. Tout ce qui est beau et agréable changera et finira par disparaître. Nous ne pouvons donc pas en attendre un bonheur durable. De même, ce qui est déplaisant ou dérangeant ne durera pas toujours. Cela risque même de changer pour le mieux. Il n'est donc pas nécessaire d'en être irrité ou de le rejeter. En ne reconnaissant pas l'impermanence, nous rencontrons frustration, irritation, chagrin, solitude et d'innombrables autres problèmes. Nous pouvons les éviter en nous familiarisant avec la nature transitoire des choses, en reconnaissant qu'elles sont dans un état de perpétuel changement. Graduellement, nous apprendrons à nous attendre aux changements et à les accepter en tant que nature de la vie. Nous comprendrons non seulement que le changement arrive simplement, mais aussi que nous pouvons apporter des changements. Nous avons le pouvoir de changer ce que nous sommes, de développer et de transformer notre esprit et notre vie. Dédiez votre énergie positive et votre compréhension au bonheur de tous les êtres.